On se fait surprendre sur un coup de pied arrêté. Le scénario était écrit d'avance, on était prévenu. Vandenheim, c'est une de leurs armes et elles ont été plus au duel, donc elles méritent leur premier but. On réagit très bien. Bizarrement, c'est après ce premier but qu'on joue le mieux. Derrière, un bloc bien en place, on s'y attendait. Mehdi en bas au niveau de Vandenheim. Et puis voilà, un match équilibré finalement. Un combat, comme vous l'avez dit, parce que techniquement, on peut mieux faire. Je parle pour moi, hein, je n'aurais pas la prétention de le dire pour Vandenheim, pour nous. Mais c'était quand même un bon match de football des féminines en U19. Avec un esprit sympa, je connais également Quentin en face. Donc ça cristallise la tension, forcément, parce que ce sont deux clubs dans la région. Vous savez comment c'est, ça, on parle de concurrence. Mais l'esprit du match était vraiment à mettre en avant. C'était un match où le match nul est mérité et logique. Les gardiennes sont des postes maintenant qui sont à traiter au même titre que toutes les autres. Et effectivement, on a des entraîneurs de gardiennes de plus en plus qui arrivent dans les clubs, de plus en plus de staff qui sont conséquents. Et donc effectivement, le poste de gardienne devient un poste à part entière. Et aujourd'hui, les deux gardiennes ont vraiment fait des prestations plus que cohérentes, effectivement. Donc je suis fier qu'elles se soient battues comme ça. Je suis un peu déçu aussi parce qu'elles ont démarré le match avec pas mal de pression qu'il va falloir apprendre à gérer. Mais c'est normal aussi, elles découvrent le niveau. Voilà, je suis... À l'image du match nul, j'aurais pu être plus content, il y avait point d'amélioration, mais ce que je savais que ça allait pas être parfait aujourd'hui. Ça s'est joué vraiment au physique, c'était celle qui mettait le plus d'impact à le gagner. Et du coup, voilà, on se départage sur 1-1 et ça a été un match très très physique. Justement, vous sentez que l'équipe est en train de progresser, il y a des bonnes choses qui sont en train de se créer? Oui, il y a beaucoup d'automatismes qui se créent avec beaucoup de nouvelles joueuses et ça nous fait prendre du plaisir à chacune.